Au prochain. La cour de mon école. La cour de mon école vaut bien, je crois. La cour de pique au col, le fame roi. Elle est pleine de charme, autant couleur. On y joue aux gendarmes et aux voleurs. Loin des Gaulois, des cimbres et des teutons. On échange des timbres, accrou peut-on. Des timbres des Antilles, de Bornéo. Et puis on joue aux billes, sous le préau. Qu'on ait pris la Bastille, c'est merveilleux. Mais que le soleil brille, c'est encore mieux. Orthographe et problèmes sont conjurés. Et que, ah, que je t'aime, à la récré. Jean-Luc Moreau. Mais non. Tu es pas en train de me dire que ça, c'est du rap? D'où ça, c'est du rap? C'est pas du rap, ça. C'est de la poésie. Je vais te montrer ce que c'est du vrai rap. Bien placé, bien choisi. Bien placé, bien choisi, quelques mots font une poésie, les mots. Il suffit qu'on les aime pour écrire un poème. On sait pas toujours ce qu'on dit lorsque naît la poésie. Faut ensuite rechercher le thème pour intituler le poème. Mais d'autres fois, on pleure, on rit en écrivant la poésie. Ça a toujours quelque chose d'extrême, un poème. Raymond Queneau. Vous voir rapper, c'est un peu comme voir Black M qui cuisine. Déjà que Black M, il est nul à rapper, lui en train de cuisiner, c'est un peu bizarre. Vous, je sais pas ce que vous êtes, mais vous êtes pas des rappeurs. Je vais vous montrer ce que c'est du vrai rap. Celui qui entre par hasard. Celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui. What? Que chaque nœud du bois renferme davantage de cris d'oiseaux que tout le cœur de la forêt. Il suffit qu'une lampe pose son coup de femme à la tombée du soir contre un angle verni pour délivrer soudain mille peuples d'abeilles et l'odeur du pain frais, des cerisiers fleuris, car tel est le bonheur de cette solitude. Qu'une caresse toute plate de la main redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes la légèreté d'un arbre dans le matin. Salut tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et aussi mettez dans les commentaires lequel vous avez préféré. Celui avec le favorite hoodie, celui avec un t-shirt tout blanc ou celui avec le t-shirt orange. Celui qui a le plus de commentaires, on va le mettre dans une prochaine vidéo. Il va peut-être faire un autre rap ou quelque chose comme ça.